calcaire alors. Waouh. Et alors attention madame, le plafond ne pardonne pas ici. Ouais, vous voyez, j'arrive ici, je suis juste à la taille. Ouais, c'est surtout pour vous, parce qu'on fait un match. L'idée, c'est de, voilà, c'est, il faut protéger l'eau du soleil et de tout ce qui pourrait tomber dedans et la polluer. Donc c'est une conduite fermée. Le niveau d'eau arrive à peu près, on va dire, là où vous avez votre main. Ah, okay. Et puis petit à petit, le dépôt sous deux ans, le niveau va monter. Jusqu'à ce que sur la plaine, on en vienne à faire les ouvertures que vous avez dans le plafond pour permettre aux trop pleines d'eau d'évacuer. C'est-à-dire que quand il y a trop d'eau et qu'elle est sous le plafond, ça force. Et pour éviter que ça force trop, ben, apparemment, on a fait ces ouvertures qui permettent d'évacuer le trop plein. Okay. C'est une idée, mais on n'est pas toujours sûr. Voilà, mon collègue ferme la marche et moi je l'ouvre. Au cas où il me charge, je vais un petit peu. Voilà. Tout va bien, messieurs, dames, c'est toujours tout droit. Ouais, c'est un peu bon. Moi, je vais être marqué souvenir. Hein. C'est ça. Alors, si c'est sur le front, ça fait mal. Si c'est sur le haut du crâne, c'est encore pire. C'est... Moi, j'ai perdu 10 cm comme ça. Oui, c'est. J'avais une visite il y a quelques années avec un groupe de jeunes américains, donc j'avais une vingtaine d'années. Dans mon outil subtil, je leur donne le prendre. Pourtant, je ne suis pas très grande, mais. Ah non, il y a de la marge, je vous vois. Ah ouais, mais du coup, ça me... je ne sais pas. C'est l'impression que vous me donnez. Mais le gars qui était devant, j'entendais qu'il y avait des membres. Il ralentissait. Alors, il ralentissait, alors il râlait, les autres derrière se fichaient de lui. Au bout d'un moment, on voit plus loin, là, presque au bout, il y a une partie où il n'y a plus le plafond. Il lève la tête, il se tourne, et puis je l'entends, enfin, je ne sais pas ce qu'il se disait, mais le problème c'est qu'il avait oublié qu'il restait le bout. Ouais. Et au dernier moment, il a tourné la tête, PAM! Oh là là, bon, ça va, il est résistant. Ouais. Mais sur le coup, c'est bien bizarre. Oui, d'abord. Du coup, maintenant, j'ai compris. Ah, je peux bien, oui, non, non. C'est... disons qu'après, nous, pour le secourisme, on n'est pas plus loin. Il n'a pas faire passer les victimes par le support. Ça, alors, il faut dire que là où ils sont en train de passer, à l'abri, c'est-à-dire que les gens en passant au-dessus, n'ayant pas de barrière, le moindre. Vous savez, je me penche, je glisse. Il fallait passer un jour. Il fait bien chaud là-dedans. Vous avez connu cette époque ? Non, 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 j'ai connu, c'était refroidissant. D'ailleurs, mes parents ne m'ont pas convenu parce qu'il y avait toujours cette idée du risque que quelqu'un parte d'en haut et arrive en bas. Ah, c'est fini les yeux du visiteur, vous voyez, pas avant une tête. Chaque année, il y avait en moyenne entre 2 et 5 personnes qui passaient par le support. Pour toutes les raisons de la terre. Hein. J'ai glissé ou j'ai sauté volontairement. Voilà, donc ça faisait quand même. C'est pas terrible. C'est plus connu, mais. Pourtant le monument est protégé, ce monument historique, mais le bas du pont n'était pas inscrit monument historique. Alors, il suffisait d'arriver en bas, c'était ça, ça ne donnait pas dans le monde. Il donne beaucoup la marron et la terre, ah, la terre est uniquement. Voilà. On ne peut plus passer tout seul. Non, ça posait trop de problèmes. Aujourd'hui, ça fait des histoires à tout l'entendre, de là à l'époque. Non, on doit encore perdre. Oui, la vue est meilleure. Vous avez la vallée, derrière, c'est calme.